Parmi les célébrités qui sont proches du couple entre Harry et Meghan, Elton John s'est toujours illustré comme un soutien de taille. Seulement, ces derniers temps, tout porte à croire que cette relation s'est vivement dégradée. Pour cause, comme l'a signalé le Daily Mail jeudi 16 mars, un expert en royauté a émis l'hypothèse que le chanteur et le couple royal ne seraient plus en bons termes. Et pour illustrer sa théorie, Tom Bauer a souligné le fait que parmi les nombreux invités à la cérémonie annuelle de visionnage des Oscars, organisée par la fondation Elton John, le couple des Sussex n'en faisait pas partie. Ils n'ont même pas été invités à la fête d'Elton John aux Oscars, a assuré l'expert. Ils ne sont vraiment rien à Hollywood. Pourtant, comme l'a précisé le média anglo-saxon, Meghan et Harry ont peut-être simplement refusé l'invitation. Supérieur à supérieur à le prince Harry et Elton John, réunis pour la conférence internationale AIDS à Amsterdam. Harry et Elton John, cette grosse dispute entre les deux. Si le prince Harry et Elton John ont toujours été proches, il leur est également arrivé d'avoir de multiples désaccords. Et dans Le Suppléant, paru le 10 janvier dernier, le cadet du roi Charles III a notamment dévoilé les coulisses d'une dispute avec le chanteur de 75 ans. En effet, au détour d'une discussion, l'époux de David Furnish avait révélé au jeune prince qu'il comptait prochainement sortir ses mémoires. Et pour assurer la promotion de son ouvrage, Elton John souhaitait dévoiler en exclusivité quelques pages de ses mémoires dans la presse. Notamment dans les colonnes du Daily Mail. Un choix que le prince Harry n'avait pas cautionné. Mais Elton, ces types sont ceux qui ont fait de ta vie un enfer, lui avait alors appelé le frère du prince William. Précisément, qui serait mieux placé que pour en publier des extraits? Qui de mieux que le journal qui m'a empoisonné la vie depuis toujours? Lui avait alors fait remarquer Elton John. Un choix que le père d'Archie et Lily Ben n'avaient pas cautionné. Crédit photo, Backgrid UK.